Le travail qu'on fait, bah, c'est le matin, c'est livraison et je veux dire et l'après-midi donc c'est ranger les casiers sur les palettes donc ce qu'on a fait tantôt et donc c'est ce que j'ai montré à Bruno donc tout ce qui est les mécaniques de chez Boulanger donc c'est-à-dire le clerc et les deux transpalettes donc c'est-à-dire que il y a le transpalette à manuel veut dire qu'il y en a deux et encore un autre qui est électrique aussi. On a commencé par faire un stage découverte. Donc, on est venu 2 ou 3 jours travailler ensemble, voir un petit peu ce que Thomas savait faire, ce qu'il aimait faire et ce que Monsieur Boulanger aussi désirait qu'il fasse. Et donc, après ce stage découverte, on a signé un stage, une convention de longue durée à ce moment-là. Donc, on a commencé par 1 mois. Et à ce moment-là, moi, petit à petit, je me suis retiré de l'entreprise. J'ai laissé Dominique gérer Thomas. Et voilà, et depuis ça fait déjà maintenant presque 6 mois que Thomas travaille ici. Et au fur et à mesure, on peut lui confier plus de tâches ou... Très lentement. Il faut y aller petit à petit chaque chose. Par exemple, il faut lui faire une tâche, puis 3 semaines ou 4 semaines seulement la deuxième, parce qu'il faut qu'il assimile la tâche qu'il a à faire. Quel est le rôle que l'association joue dans ce travail pour vous? Mais je pense que c'est le tampon entre Thomas et le travail. Je pense qu'ils sont là pour le recadrer, même vis-à-vis de moi, pour poser des questions, pour leur dire, tiens, avec Thomas, est-ce qu'on pourrait faire comme ça ou comme ça? Pour le moment, tous les jeudis, il travaille donc ici chez le brasseur pour le projet Pyramide. 2 jours par semaine, il travaille pour Proxy Service. Donc avec un autre éducateur, il part faire des petits chantiers à gauche et à droite. Je suis responsable donc, de l'activité Proxy Service. Donc le but, c'est d'aller faire des travaux à l'extérieur chez des personnes qui n'ont pas la possibilité de le faire eux-mêmes, soit parce qu'ils sont précarisés, ils n'ont pas la possibilité de faire appel à quelqu'un d'autre, soit parce que ce sont des personnes seules, des femmes seules, un peu plus âgées ou des choses comme ça. Alors avec les jeunes, bah, le but, c'est de venir fournir ce service qui nous est demandé et de faire ça bah, le mieux possible. Donc on travaille, on a d'abord une phase, toujours avec des phases de formation. Donc vous voyez, aujourd'hui, on vient tailler les haies. Il y a eu toute une formation qui a été faite sur la manipulation de la machine, sur le positionnement avec la machine. Tout ça a été fait dans des lieux de formation, soit sur le site du centre de jour, donc de la fermette, soit chez des personnes, alors là, un peu diverses, qui étaient d'accord de prêter leur jardin à nos apprentissages. Et puis alors, on exporte nos apprentissages à l'extérieur. Et Thomas, comment se comporte-t-il dans ce type de travail? Bah, Thomas est quelqu'un de très appliqué. Et comme vous l'avez certainement déjà compris, Thomas vient d'arriver vraiment ici cette année au sein de l'activité proprement dite. Donc il est venu faire des observations avant et un petit peu ici il vient beaucoup plus régulièrement maintenant. Et bah, c'était quelqu'un qui a vraiment soif d'apprendre. On sent qu'il aime, qu'il est très attentif aux consignes, il est appliqué. Je pense que les machines, ça reste vraiment ce qui plaît le plus à Thomas. Je pense que c'est pour ça aussi qu'il a fait le choix de rejoindre notre activité. Hein. Donc, au-delà du taille, comme aujourd'hui, il y a du débroussaillage. Quand il est sur le tracteur tondeuse, on voit qu'il est aux anges. C'est vraiment ce qu'il préfère faire. Et même au-delà des machines, je dirais que tout ce qui est travaux extérieurs lui plaît plus que ce qui est travail à l'intérieur, je pense. Il a besoin, c'est un garçon qui a besoin de bouger, qui a besoin de faire. De s'extérioriser de cette manière-là et par le travail, je pense que c'est une bonne solution pour lui. Oui. L'unité d'insertion accompagne des jeunes qui ne sont pas demandeurs d'emploi. Donc ces jeunes bénéficient d'une allocation familiale majorée ou d'une allocation de remplacement de revenus. Et au lieu de s'inscrire dans un service d'accueil de jour, le schéma classique, je veux dire, de l'institutionnel, ils s'adressent à un service tel que le nôtre, service d'accompagnement ou notre unité d'insertion, pour avoir une activité où ils sont une aide, un renfort au sein d'une entreprise. Donc voilà, ils viennent en soutien à une équipe, mais ne sont pas considérés comme un travailleur avec un contrat de travail. Le projet Pyramide accompagne des jeunes qui sont seuls au sein d'une entreprise, donc
un tuteur est désigné alors dans l'entreprise pour être plus proche du jeune. Et quand l'éducateur de l'unité d'insertion justement se retire, le tuteur prend un peu le relais d'être une personne de référence. Le projet Proxy Service, lui, l'éducateur est tout le temps avec une équipe de 2-3 jeunes. Et c'est ensemble, en petits groupes, en petite équipe, qu'ils vont rendre des missions de travail chez des partenaires locaux. Donc, ils vont aider dans une école maternelle pour repeindre les locaux. Ils vont aider un manège le temps d'une saison pour s'occuper des animaux. Ils vont tondre les pelouses dans une ASBL. Voilà, donc c'est là, les jeunes se sentent plus forts en étant accompagnés et en étant avec leur père. La fermette, c'est à la nature, ils font des choses vraiment très chouettes. Donc Thomas est vraiment épanoui. Donc il a commencé par faire un stage et puis l'année d'après, il a été encore un jour à l'école. Les autres jours, c'était à la fermette. Et depuis le mois de septembre, ici, il est à la fermette tous les jours. Il est épanoui, il est heureux. Thomas ne s'exprime pas toujours bien, mais moi, à son comportement, je vois que tout de suite, si ça va ou si ça ne va pas, et depuis qu'il est à la fermette, il est vraiment très très bien. Donc c'est vraiment très chouette. Pour Thomas, il faut que les choses soient habituelles. Si c'est répétitif, alors ça devient automatique. Il a la clé de la maison, il s'est rentré tout seul, il sait me téléphoner, maman, je suis rentrée. Donc il est autonome pour certaines choses, mais ce sont des choses qu'on a mis en place depuis des années. Donc une fois que c'est répétitif et que c'est connu, ça ne pose aucun problème. Donc je crois qu'avec le bus, il y a moyen, mais il faudra travailler. Ici, bah, je suis à la, donc on est ici à la maison, donc on a fini journée chez Boulanger. Donc maintenant, bah, je suis bien équipé de tout ce qui est ordinateur. Donc je dessine aussi, je suis occupé aussi d'une imprimante aussi, que je suis en train de développer des photos, des autosomes, et j'ai une fille aussi. Donc. Je suis une formation en tant qu'employée ici pour les transports Winchens. Donc nous, en fait, nous transportons essentiellement du lait et de l'eau de temps en temps pour la Société Wallonne des Eaux. Mon travail consiste un peu à répertorier les heures des ouvriers, à m'occuper de leurs fiches de paye, de leur remettre leur chèque repas. Éventuellement, s'il y a un problème, de peut-être regarder les mails au niveau des soucis qu'ils pourraient avoir pour avertir toujours le patron, donc faire un peu le feedback. Elle a d'abord fait un stage, et puis après le stage, eh bien, on m'a demandé si je ne voulais pas l'engager, et alors je l'ai engagée avec tout de même la WIP qui intervient pour un pourcentage, et je suis agréablement surpris du travail de Tatania. Au fil des années, j'ai commencé à avoir des soucis physiques au niveau des mains, des bras. On a vu beaucoup de spécialistes dans d'autres pays même. On a vraiment voyagé, essayé de voir au maximum ce que ça pouvait être. Aucun n'a trouvé une solution à part des antidouleurs, des attelles, des serre-poignets, immobiliser le bras pendant une certaine durée. On n'a rien réussi à faire. Donc à la fin de ma réto pour ma qualification, je me suis retrouvée avec une attelle du début du bras jusqu'en haut de l'épaule. Ça ne fait qu'empirer, donc au fil du temps, je ne savais même plus tenir une tasse, un verre, une poêle, n'importe quoi. Chaque petit événement de la journée, je veux dire, devenait difficile. Ensuite, on essaye de se réorienter à nouveau, de retrouver autre chose, mais trouver l'emploi avec toutes mes expériences professionnelles qui ne correspondaient pas à ce que je pouvais faire physiquement à ce moment-là, c'était très difficile. Donc beaucoup d'entreprises me disaient « excusez-nous, mais vous ne convenez pas » ou « physiquement, vous ne tiendrez pas le coup ». Donc j'ai dû aller demander au forum qu'est-ce que je pourrais faire, vers où m'orienter. Et c'est là où ma conseillère m'a parlé du long coaching. Elle me dit voilà, je crois que c'est vraiment ce qu'il te faut, ce qui te conviendrait. Ce sont des personnes qui sont des demandeurs d'emploi, qui peuvent avoir un numéro à WIP ou non, qui peuvent rencontrer des difficultés physiques. Ces personnes viennent chez nous, ont des difficultés pour intégrer une formation. Et donc, notre travail à nous, c'est de pouvoir
les aider à intégrer cette formation ou les orienter vers une formation. C'est de pouvoir les aider vraiment par rapport à leur formation s'ils rencontrent des difficultés pendant celle-ci, vraiment avoir une référence. J'ai été me présenter. Au début de ma présentation, je crois que j'ai effrayé un petit peu. Les personnes pensaient que je ne pourrais rien faire ou me mettre au final vers quoi me réorienter. Bon, j'ai montré que j'en voulais. Et pour finir, on m'a demandé, voilà, si vous voulez bien faire un stage pour montrer que vous êtes capable de faire quelque chose, ben nous, avec grand plaisir, on vous accueille. Et donc ça, c'est fait. Et avec grand plaisir, je suis rentrée dans ce groupe qui était vraiment passionnant et qui m'a bien remotivée. Je crois que c'est l'appui et le soutien des uns et des autres qui fait qu'on s'en sort. Tatiana, quand elle est venue me trouver, elle l'a dit tout à l'heure, en fait, n'a pas su directement me convaincre par rapport à ses possibilités de pouvoir trouver un jour un travail, tellement la maladie qu'elle me décrivait et son état de santé me semblait vraiment difficile par rapport à justement un projet professionnel. Elle était tellement convaincante durant l'entretien qu'on a décidé de lui donner sa chance. Et on a eu raison, la preuve en est qu'ici, bon, Tatiana a maintenant la possibilité d'avoir un emploi à temps partiel qui lui convient dans une entreprise où elle fait un travail, où elle s'épanouit. Et bon, c'est mission accomplie pour elle. Et j'ai rencontré son papa il y a une huitaine de jours qui m'a dit « Je ne reconnais plus ma fille ». Elle a complètement changé parce que elle est motivée, elle se plaît, c'est une petite entreprise familiale. Et voilà, il m'a remercié et je suis content aussi bien pour le papa que pour elle. Tous les jours, c'est une épreuve, mais que ce soit au travail ou même chez moi. Donc je crois qu'une barrière ne reste jamais fermée. Il faut juste essayer de l'ouvrir de plus en plus à chaque fois. Et au fur et à mesure, j'espère que peut-être j'en aurai de moins en moins. Un accident, j'étais en scooter et une voiture m'a rentré dedans. Ligament arraché côté gauche, double fracture au fémur droit, bassin fracturé et crin à la tête. Le casque a été arraché sur le cou. Donc c'est un grave accident. Un an d'hôpital. J'ai une volonté de faire qui vient de ma grand-mère. Ah bon? Pourquoi ça? Ma grand-mère aujourd'hui décédée avait une volonté et j'ai hérité de ça d'elle. Accueillir une Marilyn, c'est pas quelque chose de facile au départ, parce que Marilyn est quelqu'un de très chouette, mais quelqu'un de très différent. Et donc, à un moment donné, il a quand même fallu un certain temps pour que Marilyn soit intégrée dans l'équipe. Mais on est avec des gens intelligents, une équipe de gens intelligents qui ont très vite compris les différences et les difficultés de Marilyn et qui ont fait avec. Et donc, finalement, on se retrouve avec une Marilyn pleine de qualités. Et à la limite, les défauts, ben, on pallie aux défauts, de manière à ce qu'il n'y ait plus que les qualités qui ressortent. Et c'est vraiment comme ça que ça se passe. Maintenant, Marilyn, dans l'équipe, c'est un pion essentiel. Donc, je suis Marilyn depuis plus ou moins un an, dans le cadre du projet Soutien et maintien dans l'emploi. Donc, j'accompagne Marilyn ici dans son insertion professionnelle. Je veille à ce que tout se passe bien. On organise fréquemment des réunions tripartites, donc avec la responsable ou l'accompagnatrice sociale, pour essayer de mettre en place des petits objectifs que Marilyn doit atteindre chaque mois, je vais dire, pour qu'elle s'améliore encore dans le cadre de son travail. Je suis actuellement une quarantaine de personnes, donc je les accompagne, je fais avec eux de la recherche d'emploi, et puis je les accompagne dans leur travail, j'essaye de maintenir ces personnes-là dans l'entreprise dans laquelle elles ont été insérées. J'ai fait mes études, et puis j'ai fait intérim pendant quelques années, et puis je suis venue ici. Quel travail est-ce que tu faisais pendant cet intérim, ces intérims? J'ai nettoyé, j'ai travaillé dans un restaurant, comme serveuse. Et le travail que tu fais ici, tu aimes bien? Oui. Il consiste en quoi? Je travaille sincèrement ce soir, donc plier, ranger dans les étagères et repasser les chemises quand c'est nécessaire. Les Lavandières du Bon Alpha est une société coopérative à responsabilité limitée. Notre finalité est sociale, c'est-à-dire que nous cherchons principalement à réinsérer des personnes sur le marché de l'emploi via différents types de contrats.
Donc c'est une société à finalité sociale. Néanmoins, nous restons une société privée. Donc nous avons quand même des objectifs de rentabilité, de productivité par rapport à nos clients. Comme nous sommes une entreprise d'insertion sociale et que justement nous mettons au travail des personnes qui ont besoin de se réinsérer au niveau social, au niveau professionnel, de se redécouvrir même au niveau personnel, il y a un poste d'accompagnateur social qui est subsidié par la région Wallonne dans ce cadre-là, un poste à mi-temps. Et cette personne ici est en place, comme son rôle l'indique, pour accompagner chaque travailleur. Donc il y a un suivi individuel par rapport à chaque personne. Donc c'est quelque chose qui est fait en plus par rapport à une entreprise traditionnelle ou classique. Tu as des passions aussi? Ma broderie. Ah, tu fais de la broderie. Oui. Et mes chats. Tes chats, oui. Speedy, Gizmo. Noah. Marilyn a été intégrée au départ dans la société via un contrat d'apprentissage professionnel. Donc elle a fait un stage en entreprise de 2 ans. Je pense qu'elle s'est bien intégrée par rapport à ses collègues, par rapport à son travail. Il y a eu une adaptation progressive, mais bien palpable dans son travail, ce qui fait qu'elle donnait entièrement satisfaction au sein de la société, et elle a obtenu en mai 2010 son contrat à durée indéterminée en tant que statut ouvrière. Ludovic. Eh bien, Ludovic est rentré chez nous avec un passé scolaire aussi, voilà. Son seul passé scolaire, donc avec beaucoup de difficultés. Au fil des années, il est devenu de plus en plus brave, disons. Il s'est vraiment lancé dans son travail. Il a pris des initiatives, on l'a aidé pour beaucoup de choses, il avait des demandes. Mon rôle est d'accompagner les résidents qui viennent travailler ici. En général, ils sortent de l'école avec peu de bagages. Et au fil des années, on essaye de leur en donner le plus possible pour évoluer, peut-être parfois réussir à sortir et entrer dans la société. La journée, je fais les commandes, je cherche les camions. Et... Tu as des perspectives pour évoluer dans ton travail? Tu peux faire plus, tu crois? Oui, je peux faire plus. Et quoi, ça nécessite des cours? De suivre d'autres formations ou... Oui, formation Clarkis. Oui, que tu feras? Que je ferai en 2012. En 2012? À quel endroit? Je ne sais pas encore. Oui, Ludovic, mais qui est un résident qui est rentré chez nous il y a plus ou moins 6 ans, je pense, et mais qui sortait, lui, avec très peu de formation, puisqu'il sortait de forme 2, d'enseignement spécial, forme 2 ou forme 3, je ne sais plus exactement, mais bon, c'est ce type d'enseignement, en tout cas, ne donne pas de qualification. Et donc, c'est vrai que quand il est rentré chez nous, c'était vraiment un résident qui ne savait pas trop vers quoi aller, et qui n'avait pas une idée non plus trop claire de ce que c'était qu'être adulte. Et c'est vrai que grâce à ce type de travail et à la collaboration qu'il a avec des partenaires extérieurs, il a pu se rendre compte de ce que c'était que la réalité du monde du travail, de la rigueur qui était nécessaire. Donc c'est vrai qu'en termes de comportement, petit à petit, il a appris qu'il fallait aller coucher suffisamment tôt pour être en forme le lendemain. Et tout ça l'a amené à prendre confiance en lui, à développer vraiment ses compétences, et il a la chance, lui, de travailler avec un magasinier, donc qui vraiment essaye de le former, ou on va dire de lui donner une pré-formation pour qu'un jour il puisse, et c'est vraiment dans son projet, qu'un jour il puisse faire soit un apprentissage en entreprise ou une formation. La seule difficulté, c'est pour trouver une formation en tant que magasinier et cariste. Et soit il faut aller au forum, mais alors ça nécessite quand même des prérequis suffisamment importants, et je crains vraiment qu'il ne les ait pas. Ou alors les deux centres de formation qui donnent ce type d'enseignement sont situés soit à Bruxelles, soit à Herstal, ce qui est quand même très loin et qui implique quand même pas mal de difficultés pour lui pour se déplacer. Mais donc vraiment, c'est par le travail qu'il a appris aussi à se socialiser. Et donc qui développe maintenant un projet de vie, un jour de départ,
dans un délai relativement court avec sa compagne. Donc c'est vraiment pour nous un parcours idéal. Et l'utilité du travail ici, ça a vraiment été de lui permettre de... Mais d'apprendre justement les gestes sociaux adéquats, on va dire, mais aussi de trouver une réelle valorisation dans, par rapport à la société. Mais c'est parfois difficile de convaincre des partenaires ou des employeurs, mais ça de manière générale aussi pour des contrats bien définis, d'engager des personnes déficientes, d'où l'intérêt aussi du type de réflexion qu'on peut avoir sur les activités de valorisation et d'utilité sociale pour les personnes déficientes. C'est de montrer aussi qu'il y a un intérêt de... Outre l'intérêt justement de s'ouvrir aux autres, il y a un intérêt aussi d'occuper des personnes. Je pense que c'est une question de civisme aussi et de citoyenneté. Mais disons, le contexte économique évidemment est difficile. L'absence de statut rend les choses compliquées, puisque une personne qui va travailler chez quelqu'un, soit c'est bénévole, soit c'est sous forme de contrat. Donc c'est vrai qu'il manque entre les deux. La personne n'a pas nécessairement la rentabilité pour être employée sous forme de contrat, et en a peut-être plus que pour faire juste du bénévolat, qui n'est pas non plus toujours très valorisant pour elle. Hein. Je ne remets pas en question l'idée du bénévolat. On a à dire, c'est de quitter le home, vivre avec ma copine et travailler encore ici comme clerkis. Vous avez des projets? Oui, des beaux projets. Dis-nous. Le projet d'un jour partir de l'institution et d'aller faire notre vie à l'extérieur.